Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes abonné à ma chaîne, donc vous connaissez déjà la fameuse recette que j'avais postée, One Bowl Pasta, que beaucoup de personnes ont essayé. Dans cette vidéo, je vous montre une autre recette de pâtes en 25 minutes. Une recette que je faisais à la casserole, mais que j'ai désormais adaptée au Thermomix, les tagliatelles au saumon épinard et champignons. Vous pouvez remplacer le saumon par l'espadon et crevettes aussi et éliminer les épinards si vous n'êtes pas fan. Respectez la quantité d'eau et surtout utilisez la crème fraîche cuisson liquide et pas la crème fraîche épaisse. Cette recette est très simple et on peut aussi suivre ces étapes sans Thermomix. On va d'abord hacher l'oignon et l'ail, puis faire revenir les champignons. On va ensuite ajouter les autres ingrédients et cuire.
Arrivé à cette étape, je divise les épinards en deux. Ça veut dire que je vais ajouter 60 grammes au début, puis le reste, pourquoi? Pour ne pas remplir le bol. Ici, on voit que les épinards n'ont pas bougé. Ne vous inquiétez pas, il suffit juste de bien mélanger et c'est bon. J'utilise souvent des morceaux de saumon fumé qui donnent un très bon goût à la sauce. J'ajoute le reste des épinards et je mélange bien. Voilà une recette à faire dans son Thermomix, une recette en 25 minutes, surtout quand on est pressé, qui plaît beaucoup par cette sauce blanche aux champignons. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres recettes qui vont suivre prochainement. Bye, ciao, à plus.